Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play sur Jedi Fallen Order. On venait tout juste de quitter le tombeau d'Elram dans l'épisode précédent. On était remonté à la surface sur Zepho. Et on a pu explorer une nouvelle partie de la planète grâce à mon nouveau pouvoir que j'ai acquis dans le tombeau, justement, la poussée. Hein, qui me permet justement de pousser les objets. Ouais, bien joué. Voilà, c'est bien, vous suivez les gars. Donc voilà, je suis actuellement ici dans les cavernes de glace. Alors, derrière moi, il y a un ascenseur que je n'ose pas emprunter tout de suite. Peut-être qu'il ne fonctionne même pas, d'ailleurs. Et il y a aussi cette porte-là. Je vais voir. Attendez. C'est verrouillé. Ah, c'est verrouillé. D'accord. Ben, c'est super. Et donc, qu'est-ce que je fais, moi? Ah, c'est pas le vide, ici. Oula, y a du monde ici. C'est quoi ce guet-apens? Allez hop, hop. C'est bon? Eh, j'ai même pas pris un coup, mon gars. Je suis pas un Jedi confirmé maintenant. Oh, ok. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Un nouveau poncho voyageur. Eh bien, je vais vous le montrer tout de suite. Il est dégueulasse. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez des ponchos, mais je sais pas si je l'avais déjà dit d'ailleurs. Mais j'aime pas du tout. Je préfère largement sa tenue d'origine. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? Wow, 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 wow. Ok, c'est quoi ça? Nouvel ennemi. Oh purée, attaque rouge, c'est pas bon. D'accord. Ok, je ne connais pas cet ennemi. Il a l'air de faire bobo. Oh là, oh là là là. Ah. Est-ce qu'à votre avis, ça passe? Oh putain de merde. Oh là. Tiens. Tiens. Et bah t'es mort. Encore un. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, il est pas content d'être mort. Non, 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 je ne suis pas mort. C'est un Jotaz. Puissant mélan. Frappé après avoir esquivé une attaque. Utilisez des frappes rapides et ou des attaques spéciales pour énerver et désorienter l'attaque. Bah, il est pas content d'être mort. Voilà. Non, non, non. Moi, Jotaz, pas mort. Non, non, non. Je ne tolère pas. Moi, pas accepter mon destin. Comment ça, scanner? Qu'est-ce que tu scannes, là? La caverne. Oula. Oh. Mais ça va me tomber dessus, ça. La mélodie de la destruction. Qu'est-ce que c'est? Les pulvérisateurs impériaux MK-270 sont essentiels au projet Foreuse. Car il faut une puissance considérable pour venir à bout des barrières de glace du réseau de la grotte Zepho. Même les 6 spécialisés de l'Empire ne suffisent pas à percer. Ah, donc, ils essayent de percer, d'accord. Mais ça ne marchera pas, les. Tiens, un écho là-bas. Point de compétence obtenu, stylé. Une impériale est venue ici pour cacher une relique. Il y a eu un éboulement. Elle a été littéralement prise au piège. Bien fait pour sa gueule. Raccourci débloqué, mais je suis jamais venu ici, on est bien d'accord. Où c'est que ça va m'amener ce truc? Est-ce que d'ailleurs je peux y aller? Je n'en suis pas sûr. Attends. Je suis ici. Il y a un ascenseur qui va me ramener jusque là-haut. Un endroit que je n'ai jamais visité. Mais attends, elle est géante cette planète en fait. Et ça, c'est quoi ça? Attends, attends, monte. Voilà. Plutôt cet étage. Ah non, mais je l'ai peut-être visité en fait. Ruine exp... Ouais, non, non, j'ai dû le visiter, ça. Alors, l'ascenseur vers lequel je me dirige. Bon. Eh bien, allons-y. À voir. Il y a trop de chemin. Il y a là-bas. Mais il y a deux... Mais il y a trop d'ascenseurs, aussi. C'est quoi, tous ces ascenseurs? Ces machins, là? Bon, je vais privilégier là-bas.
Y'a un petit bouc. C'est bon. Ouais, bien ou bien, mec? Hop là, oh là! Y'a un de ses petits potes. Allez, juste derrière, bah c'est bon. Allez, monte, je t'attends. Tu pourras pas toujours fuir. Tu veux pas? Ok, j'arrive. Bah voilà. On n'en parle plus. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, on peut pas y aller. Alors, je vais pas aller dans l'ascenseur, je vais plutôt aller par là. Où c'est que ça mène, ça? Hop! Salut, mec! Ah! Qu'est-ce qu'on a là? Rien. Où c'est que je vais là? Je sais même pas où je vais. Hein. Je suis perdu dans ces grottes de glace. Oh! Salut les gars! C'est qui ça? Putain de merde. Je peux pas continuer le combat. Attrapez-le. Attends, il est bientôt mort. Je sais même pas si je peux l'avoir. C'est bon. Alors. Wow. Serré, je viens d'affronter un soldat à l'armure rouge et noire. Tout comme sur Braca. Un Purge Trooper. Leur unique but est de chasser les Jedi. Les Inquisiteurs débarquent? C'est possible, mais on est loin de Braca. Ils pensent peut-être que les Purge Troopers suffiront. Ou alors il s'agit d'un piège. Reste sur tes gardes. Ah, je l'ai fumé rapidement, ton Purge Trooper. Hein. Purge Trooper à électro-bâton. Armé d'électro-bâton, il peut déclencher des séries de frappes rapides, mais devient vulnérable après l'attaque initiale. Combattant agile et sournois qui riposte en esquivant et en parant les frappes reçues. Ok. Eh ben, on va se méfier d'eux. C'est une très belle découverte. Je vais devoir l'évaluer en personne. Artefact trouvé. Un outil lâché précipitamment par un ouvrier excité par sa découverte lors des fouilles. Apparemment, celles-ci ont donné les résultats escomptés. Reviens là. Reviens là, il est rigolo lui, il va te chercher un truc. Matériau pour sable, la séracote. Et deux caisses. La régalade ici, dis donc. Nouvelle apparence pour Vénéa obtenue, Bestine. C'est celle-ci. Ouais, bof. Je suis toujours fan de l'original, moi, donc... Ah mais, ça va pas me ramener... Eh bah si. D'accord. J'ai juste fait un petit tour. Ok, y a quoi ici? Ah oui, je suis déjà venu avant la vidéo. Pas avant la vidéo, en début de vidéo quoi. Voilà. Alors, bah du coup, je prends l'ascenseur ou je vais sur le second chemin, là? Je suis paumé, moi. Faut quand même qu'on avance, hein. Et là-bas, il y a quelque chose, aussi. Ah bah oui, regardez, il y a des... Oh là là, il y a combien de chemins, là? Alors, c'est une... Ouh là là, non, mais ça, je peux pas y aller, en fait. Il faut... Non. ça sera pour plus tard, mon petit Joe, hein. Prends pas trop la confiance, hein.
Qu'est-ce que vous voulez, vous? Tu veux quoi, toi? M'énerve à esquiver comme ça. Bon. Ça, je le sens pas trop, par contre. Oh, 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 oh. Je passe par là. Salut, mec! Ouais, mais en fait, c'est un peu de la triche, là, ce que tu fais, hein. T'as une sulfateuse et en même temps, il y a un mec. Voilà, j'avais oublié que je parais toutes les attaques automatiquement en courant. Donc j'aurais dû lui courir dessus. Ah, évidemment, l'interconnecteur doit être réparé. Bah oui. Et... bah c'est tout. Ça me ramène où, ça? Oh, c'est une zone que je connais pas, ça. Oh, c'est quoi, ce bordel? Bon, vas-y. Ça marche? Ah oui, d'accord. Je vais vers l'inconnu, là, les amis. Ça ne me dit rien qui vaille. Bah, lui, il est plutôt décontracté. Il observe l'ascenseur. Ouais, c'est plutôt de bonne facture, hein. Les matériaux utilisés sont plutôt pas mal. On risque rien ici. Bon, sinon on arrive un jour. Ok. Ah bah, ah, d'accord, ok, j'ai plus de piles. J'ai plus de piles dans la manette. J'en ai pris une autre. Je me disais pourquoi il avance plus. Scanner, qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai équipement de fouille. Mais non, mais sérieux, je suis où là? Ça, c'est pour redescendre plus rapidement sans prendre l'ascenseur. Qu'est-ce que c'est que ça? Un point de méditation. Ouh, ça veut dire que bah, la zone elle va être. Voilà. Il va y avoir des ennemis. Oh, 3 points! Sérieusement? Mais mec. On va se régaler, alors attends. Genre là, le peu d'ennemis que j'ai combattu, ça m'a donné autant. D'accord. Stylé. Ah oui, mais il y avait le gros aussi, là, qui est sorti de la glace. En fait, le ralentissement, j'aimerais bien l'améliorer. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que quand il est ralenti, dès que tu le tapes, ça annule le ralentissement. Donc c'est pas très intéressant. Augmente le niveau de force maximale de Cal. Ouais. Non, je vais plutôt prendre celle-là, là, je crois. Celle-là me donne envie. Je fais Y et Y. Ça, ça bien défoncé la gueule du mec, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que j'ai le temps de la placer, là? Y, Y, c'est ça, le truc, aussi. Ah là 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 là. Sinon, attaque aérienne. Non, bah non. Oh, c'est chiant. Hein. En retardant son attaque après un coup de sabre laser... Cal peut effectuer une attaque spéciale à plus grande portée. Hein, celle-là me tente aussi. Hein. Genre, j'appuie sur X et je refais X. Oh, bon, autant prendre ça. Un point. Allez, vas-y. Ouais, c'est bon, merci. Et on va se rajouter à... ah, la capsule de Steam, ouais. D'accord. Bah, c'est bon, on a compris, merci. Et un peu plus de santé, non? Allez, le niveau de force. On s'en bat les steaks. De toute façon, ils ont l'air généreux en points. Donc voilà. Bon, on y reviendra dans quelques minutes, au pire. Donc, où suis-je? Toujours dans les cavernes de glace. Nouvelle zone. L'interconnecteur doit être réparé. Ah bah voilà, bah en fait je peux pas y aller, c'est pas tout de suite. Néanmoins, il y a un écho. Qui va peut-être me donner un point de compétence encore. Ah non, en fait l'écho ça donne de l'XP, regardez en haut. Un effondrement l'a tué. Ah. Les fouilles effectuées par l'Empire fragilisent ces tunnels. Écrasé, ouais. Donc en fait, y a rien ici. Enfin, c'est pas pour maintenant. C'est quand j'aurai mon interconnecteur. Bon, bah fait chier. Ouh, c'est pas grave, au moins on fait du petit toboggan. Idalidalam.
Qui a tiré? Ah bah oui, c'est vrai, vous êtes revenu. Bah je vous laisse faire mumuse, hein. Ouais, bah il a tué son pote, c'est abruti. De toute façon, le jour où les Stormtroopers seront intelligents, ça se saura. Et là, ça m'amène où, celui-là? Ah bah ça m'amène au vaisseau. Ah bah c'est très bien. C'est celui-ci que je vais prendre. Télé, je suis sous un site de fouille impériale. Ils sont allés bien plus loin que ce qu'on pensait. Il y a plus important pour l'instant. Les impérieux savent que tu es le Jedi de Braca. Ils recherchent le Mantis en ce moment même. Le Mantis peut pas bouger? Démarrer le moteur serait trop risqué. Sa décharge d'énergie attirerait immédiatement leur attention. Je reviens aussi vite que possible. J'arrive. C'est l'ascenseur qui est un peu lent en fait. On se fait chier. Bon, sinon les amis, ça va vous? La famille, tout ça, les cours, le taf. Ouais. Bon. Bah. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Ah. Bon, j'ai pas besoin d'y aller. Ça, c'est pour redescendre. Et du coup, ça va me faire apparaître où tout ça? Raccourci débloqué. Ah, ici. On m'agresse là. Ah voilà, je voulais tester ma nouvelle technique. Mais ça suffit hein. Ah, je voulais tester ma nouvelle attaque, les gars, ils font que de me croquer, c'est bon. Oula. Cal, un marcheur nous tire dessus et nos armes sont HS. Ah ouais, j'avais pas vu. Dis-lui qu'il a intérêt à se manier le... J'arrive. Bon, je suis en chemin. Vous voulez que je me le fasse? Oula. Mauvais bail ici. Quand je cours, ça fait le renvoi des tirs auto. Ah, il a lâché une bombe. Il lâche des petites perlouses. Ah ouais, ça fait mal en plus. J'ai besoin d'aide. Attention. Vas-y, pète. Voilà. Sur la bombe. J'en lâche plein là. Fais quoi là? Oh! C'est bon! Bah, il était facile. Tiens! Bonjour monsieur! Ah d'accord, parce que tu crois vraiment que tu vas battre un Jedi là. Ok, regarde. Vas-y. Allez hop. Bah le tringle. J'ai l'impression que notre vaisseau est endommagé. Attends, je regarde juste la map. Y a pas des petits secrets par-ci par-là, non? Bon, de toute façon, on se casse, c'est bon. Ça m'a saoulé cette planète. J'en peux plus. Joli boulot, ça, petit gars. Eh, hey, tu te débrouilles pas trop mal, tu sais. Ah. Mais s'il te plaît, dis-moi qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. J'ai trouvé la tombe d'un sage Zepho. Ils utilisaient bien la force. Une civilisation d'utilisateurs de la force mystérieusement disparue. Je comprends pourquoi ils obsédaient tant Maître Cordova. Qu'as-tu trouvé d'autre? Avant de disparaître, les Zepho sont allés sur la planète Kashyyyk. Wow. Cordova a eu un ami Wookie, Tarful. Il faudrait qu'on le trouve. Kashyyyk? Écoute, c'est vraiment le bazar dans ce coin-là. Et l'Empire fait pas dans la dentelle avec les Wookie. C'est de l'acharnement. Alors il va falloir qu'on se batte. Je crois que cette vie te correspond. Affronter ce marcheur semble t'avoir donné confiance en toi. Alors, dis-moi, comment tu t'en sors? À propos de la force? Oui, de la force. Tu m'avais dit qu'elle pouvait te submerger. Je me suis pas encore fait tuer. Je préfère pas en parler. D'accord. Je comprends. Bien plus que tu le crois. Pourquoi avoir choisi de vous couper de la force? Quand la purge a commencé, et que nos clones s'en sont pris à nous, ma padawan et moi avons emmené plusieurs novices en lieu sûr. Mais ça n'a pas duré longtemps.
Une patrouille impériale s'approchait de notre cachette, alors... j'ai essayé de les éloigner de ma padawan, Trilla. Elle est restée avec les novices. Mais... ils m'ont prise. Et ils m'ont torturée. Ils voulaient savoir où étaient les autres et... combien ils étaient. Mais ils voulaient surtout en savoir plus sur... Cordova. Et où il était. Vous vous êtes échappé. Oui. Il y a eu une émeute. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Mais ils m'ont presque brisée. Et je n'ai plus jamais été la même, Cal. La Padawan. Elle est toujours vivante? Non. Voilà pourquoi nous devons continuer. Il ne faut pas que ceux à qui l'on tenait soient morts pour rien. La Padawan de Ceri, Trilla. Fais voir. Ceri confie un effroyable souvenir de son passé. Lors de la purge Jedi, elle fut capturée et torturée par l'Empire. Elle parvint à s'échapper, mais sa Padawan n'eut pas cette chance. Des années ont passé, mais cet événement a marqué Ceri à vie, et elle refuse à présent d'utiliser la Force. Et peut-être que sa Padawan n'est pas vraiment morte. Elle a été... elle a basculé du côté obscur, hein. On sait pas, hein. Un instant. Je tente de rassembler mes pensées. Fais-toi plaisir, moi. Je crois avoir récolté une petite graine sur les faux trucs. Ah bah apparemment non. Je pensais en avoir récolté une. On m'aurait menti. Ah, le sabre laser. J'allais presque oublier. Alors, couleur. Toujours les mêmes. Émetteur. Bah, quasiment aussi toujours les mêmes, en fait. J'ai rien de nouveau aussi, j'ai celui-là. Devoir et volonté. Ouais. Poignée. Oh! Attends, on dirait celui de Ré. Non? Il n'est pas comme ça, celui de Ré. Il est en bois, ce machin. Nature élémentaire. Et matériaux. Ah, ouais. Ah! C'est ça les matériaux. D'accord. Je me disais à chaque fois c'est quoi cette merde. Ah. J'aime bien. Dur acier. Bon après celui que j'ai franchement il est déjà stylé hein. Je vais pas vous mentir. Ouais c'est bon. Ah, je vais pas le toucher pour le moment. Je sais, il y en a beaucoup qui me disent « Joe, change de tenue, change de ça, mets en orange, mets en vert pour me faire penser à Maître Yoda. » Voilà, je lis tous vos commentaires, mais moi, j'ai mon sabre en tête. Pour le moment, je peux pas le faire. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir le rouge, même si je pense pas que ce sera possible. Hein. C'est la couleur des Sith. Attends, si tu me veux, toi. Est-ce que d'accord. Tout va bien? Epec, je profite du calme avant la tempête. Ok, bah profite bien. Alors, où allons-nous les amis? Oh, il y a 4 planètes. Tu veux aller où? Alors, là c'est Bogano. On l'a déjà visité. Bon, il y a quelques endroits sur lesquels je pourrais revenir vu que maintenant j'ai la poussée. Là c'est Kashyyyk, la planète où je dois me rendre. Mais, j'avais débloqué Datomir. Et j'ai bien envie d'aller la visiter. Voilà, allons sur Datomir. On va s'éloigner un petit peu du scénario. J'espère que vous m'en voulez pas, vous me direz dans les commentaires. Mais j'ai envie vraiment de tout explorer. Et Datomir, ça a l'air d'être une planète secondaire. Donc, vas-y, on y va. Peut-être qu'il y aura quelque chose de sympathique là-bas. Cap sur Datomir. Attends, tu veux aller sur Datomir? Bah oui. Étrange que Cordova y soit allé. Il devait avoir une bonne raison. Une fois sur place, moi, je quitte pas le Mantis. Le soleil rouge, c'est très mauvais pour la peau. Ce lieu abritait une puissante cabale d'utilisatrices de la Force, appelée les Sœurs de la Nuit. Ah, les sorcières, elles maniaient la Force? Quoi, comme les Jedi?
Non. Elles servaient leurs propres intérêts. Je peux m'asseoir. Le pouvoir n'était que mensonge, illusion, manipulation. Ça me rappelle une vieille connaissance. Durant la guerre des clones, les Sœurs de la Nuit se sont alliées à un seigneur Sith qui les a trahis. Ah oui, c'est Dark Maul. Pour finir, elles ont presque toutes été massacrées. Datomir est un lieu dangereux. Soyons très prudents. Pas besoin de me le dire deux fois. C'est bien Dark Maul hein, dont elle parle. Ah, on approche de notre destination funèbre. Ok. Assieds-toi, petit gars. Datomir, oh, c'est stylé. Cal, sois très prudent. T'inquiète. Cet endroit est dangereux, voire mortel. Je reviens tout de suite. T'inquiète pas. Je vais juste faire un petit tour. Wouh! Vous savez, ça me fait penser à quoi aussi, ce petit délire là d'aller de planète en planète et de voir la petite cinématique du vaisseau qui se pose. Ça me fait penser à Star Fox Adventure sur GameCube pour ceux qui ont connu. C'est vraiment un de mes jeux préférés. Là, je sais pas, ça vient de me faire penser à ça. Eh B, c'est très chaleureux ici, dites donc. Oh là. Heureusement qu'on se trouvait pas putain. Là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une fabrique du genre amical. C'est bon? Ok. Je sais pas si vous en rendez compte, mais j'allais crever là. il y a 20 secondes là. J'ai failli foirer mon saut. Wesh mon gros! Reviens! Fais pas ton timide! Tape. Là 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 là. Il est très instable ce petit. Calme-toi. Il est bientôt mort. Il fait quoi là? Ça l'a même pas tué. Allez, c'est bon, couché. Alors, qu'est-ce que c'est comme bestiole celui-là? Je regarde. C'est un Nidak inférieur. Ne relâchez pas votre garde pour contrer ses nombreuses attaques. Multipliez vos parades pour déstabiliser cet adversaire. Bon, j'ai quasiment pas paradé, moi. Voilà, ouais, bah l'autre bestiole a disparu. Très bien. Ah bah non, ah bah là. Aïe 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 aïe, oh. Whop. Mais c'est pas gentil ça. Je pensais qu'il t'avait tué moi. Ah, en plus tu jettes ton venin comme ça là sur moi. C'est bon. Quoi? Il est crevé. Ah, ça m'enlève de la vie. Araignée fléau. Attends, capable de projeter de la salive venimeuse à distance. Leur corps émet de l'acide toxique en mourant. Ah ouais. Oh, j'aime pas trop cette planète, moi. D'ailleurs, ça mène à où, ça? Parce qu'on dirait qu'on peut... On peut aller quelque part ici, non? Bah ouais. Vas-y. Je suis le chemin. Je sais pas si c'est une bonne idée. Qu'est-ce que je fais là? Waouh! Bah! Ah, c'est un chemin alternatif. Attends. Non, je crois que c'est. Je vais voir. Ah non, effectivement, c'est pour revenir au vaisseau. Alors, qu'avons-nous là-bas? Ok, salut. Pas.
La régénération de ma force est très très lente. Hein. Zou. Ah là 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 là. Ça va être tendu cette planète. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Coupé. Raccourci. Ok. Il y a des coucougnettes pendues là. C'est pas bon signe ça. Oh, d'accord. Ah, oh, il y avait quelque chose là-dedans. Apparence pour BD1. Yavin Prime. Ok, on verra ça. Après. Il y a un feu. Donc il y a quelqu'un dans le coin. Comment je fais pour virer ces merdes? Comment je fais pour passer moi? Bah mais j'ai rien débloqué donc. Ah merde alors. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bien joué. L'hydrate. Ok. Attends, peut-être que ça va me donner un indice. L'hydrate pousse dans les zones sèches et rocheuses. L'air est filtré par ces filaments qui piègent la poussière et bactéries. Une fois filtré, l'air est stocké. Nanana. Ok, et si je tape dedans? Et ça? C'est quoi ce machin? Ça fait rien. Très très étrange hein, quand même. Ah! Mais qu'est-ce? Ils sont chiants ces bestioles hein. La vie. Waouh! Ils sont plus durs que les gardiens, quoi. Sur Zepho. Ah, mais attends. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Et voilà! Tu vois quand tu veux, Joe. Ouh. Qu'est-ce donc, ça? Chonos, le sœur de la nuit, qui pratique son art. L'entraînement des sœurs de la nuit. Très bien, et donc... Moi je suis paumé les gars sur cette planète. Là, il y a quelque chose là-bas. J'ai pas été voir. Sérieux? Vers où? Ouais, mais comment tu veux que j'aille là-bas? Ah, peut-être là, attends. Tac, 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 tac. Effectivement. Ah, oui. Quoi? Tu as trouvé quoi? Ah, c'est des seins. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est? Non, pas du tout. Effigie menaçante. Ah, tu parles de... Ah oui, d'accord, ça. Ok. Bon, moi je fonce. Parce qu'on a rien fait là jusqu'à maintenant. Oh, qu'est-ce que t'as trouvé BD1? Je crois que les Zepho étaient là. Bon, encore eux. C'est étrange. Ce lieu semble abandonné, mais... Oh! Tu n'es pas le bienvenu, Jedi. Tu dois être une sœur de la nuit. Je vous croyais toutes disparues. Pas toutes. Tu n'as rien à faire sur Datomir. Va-t'en sur le champ. Oh, j'ai peur de ne pas pouvoir faire ça, mais... Peut-être qu'on pourrait s'entraider. Je cherche... Attends. Je suis pas un ennemi. Tes actions disent le contraire. Attends, je ne veux pas... Vaché.
Va chier. Comment ça, va chier? Le Jedi est mal en point. Très bien. Mais moi je suis un abruti. Je vais crever là, c'est la fin. Il tremble de peur. Reviens là. Ils sont bientôt morts en plus, c'est ça le pire. Par lui, lui je peux me le faire. Tu ne peux pas cacher tes faiblesses. Ah non non non. Oh purée. Ouais, ça c'est bon. Je vais essayer de pas crever hein. Je cache pas que c'est compliqué quand même. Allez, encore un petit coup et ça passe. Je récupère juste ma force et c'est bon. Wouh. Wouh. Ah, je voulais rien tenter de fifou là. Un coup et c'était mort. Bon, madame, on s'est mal compris par contre. Quoi, Pilouli? Là? Quelque chose, non? Pourquoi tu fais Pilouli, là? Me dis pas Pilouli, ici. T'as vu, il fait Pilouli. Tu guettes quoi, là? Eh, regarde derrière. Eh, arrête de me déstabiliser, toi. Par contre, du coup, t'aurais pu me scanner les ennemis, BD1. Y a rien à faire. Rouillé de l'autre côté, évidemment. Wouh. Bon, il est temps de se remettre de la vie, tout ça. Maintenant qu'on a fait connaissance avec les habitants de cette planète. J'ai 2 points de compétence. Qu'est-ce que je pourrais me mettre? Bah, de la vie. Moi qui voulais pas m'en mettre. Augmente le niveau de santé max. Ouais. En tout cas, autant sur les autres planètes, je l'ai pas trop ressenti ce besoin de me mettre de la vie, mais là. Avec les araignées, c'est elles les pires. Elles valent rien au combat, mais elles me font du sale. D'accord. Ok. Déjà fait passer un nidal dans les mains. Vous voulez quoi, vous? Les frères de la nuit. Ah. Blaster ou quoi? Il veut quoi, lui? Ah, il y en a 2. Bah c'est de la triche. Le mec, je l'ai mis au ralenti et il arrive à me toucher. Tiens, vas-y, scanne moi ça là. C'est qui ces baltringues? Qu'est-ce que c'est? Un archer des frères de la nuit. Et lui en bas. Aide-moi, BD1. Un guerrier des frères de la nuit. Évidemment. Bon là c'est fermé. Hein. Impossible. Voilà. On est d'accord. S'il y avait un mec ici, c'est qu'il faut aller par là. Parasite. Oh le bâtard. Fait peur celui-là. Qu'est-ce que ça fait, Jedi? Attends, vas-y, frappe. Oula, pas ça, pas ça, pas ça. Là. Et ils sont durs à tuer, hein, franchement. J'ai essayé de le parer au bon moment pour placer une attaque. Un contre. Mais ça passait pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Qui c'est? Ah! Balance! Vas-y, viens, on descend, on descend.
Ah, ça, je peux pas le parer, ça. Même lui, il me contre ma garde. C'est bon. Voilà, là, j'ai réussi. C'est bon. Vous êtes où? Oh, purée. Mes frères, finissons-en. Mais ça, c'est impossible à esquiver, ça. Vas-y, frappe, frappe. Et voilà. Frappe, frappe, frappe. Non, ça c'est de la triche, ça. Ça c'est de la triche. Mais... Alors si quelqu'un sait comment on esquive son coup imparable à lui. Ok, il y en a encore deux autres là-bas. À part se cacher derrière un mur, je vois pas trop comment faire. Hein. Qu'est-ce que c'est? Vaisseau de course, peinture pour le mantis, ça. Ah ouais, pas mal. Là, je l'ai mis comme ça. Ouais, pas dégueu comme ça, allez hop. Qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Bah alors, pourquoi je reviens? Bon, comment je vais me les faire ces deux abrutis? Faire son coup imparable. Allez! Vas-y! T'attends quoi? Voilà, par faire une petite esquive comme ça. C'est bon. Ok. Bon. Pour grimper. Ça va pas être très dur normalement. Hop. Pas beaucoup de points de méditation ici hein. C'est vraiment une planète pour les fous malades hein. S'il y en a un ici, non? Ah non, c'est celui que j'ai pris tout à l'heure. Oh, oh là 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 là. Là j'ai plus de steam, j'ai plus rien. Ça m'a ramené où cette histoire? Ah, il y a une araignée. Oh merde, il y a un mec aussi. Ça l'a one shot. Ouais, c'est bon ça. Quelque chose d'utile? Nouvel interrupteur, le Magus. Attends, je vérifie. C'était pas derrière là? Je crois que c'est. Ouais, ouais, c'est un endroit où j'avais vu quelque chose à récupérer et c'était inaccessible, mais là ça va. Raccourci des blocs, non? C'est ça. Et... Oh, je veux bien, je veux bien, je veux bien. Je veux bien me remettre de la vie, je veux bien tout. Par contre, ça va faire respawn les ennemis. Mais c'est pas grave. C'est toujours mieux que la mort. Et j'ai encore 2 points de compétence. C'est incroyable. Qu'est-ce que je peux prendre, les amis? Plus de ralenti? Mais non. Augmente la distance parcourue, non. Ah, franchement, je dirais plus de ralenti, hein. Pour le moment, c'est ça qui m'aide. Hein. C'est le ralenti. Hein. Allez, c'est parti. Suivez-le de près. Il ne peut pas cacher. Ce combat était une erreur. Il est où lui? Mes attaques, je suis vengerai. Tu gagneras pas, Jedi. Ah non, celui-là, non, j'arrive vraiment pas à l'esquiver. Je suis désolé, mais j'ai pas compris comment on faisait. Alors, où c'est qu'on va là? Il y a un truc là-haut aussi apparemment.
Là-haut ou ici? Non, c'est de là où je viens. Peut-être en bas, non? Non, non, non. C'est ici. Ah! Bah, il n'y avait pas besoin de sauter, en fait. Ou si, ouais, ouais. Ah non, c'est en bas, regardez. Qu'est-ce qu'on a là? Oh. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, j'ai le double sabre. Sabre laser à double lame. Le sabre à double lame est très efficace contre les ennemis nombreux. Utilisez l'attaque de force pour éliminer les groupes importants. Continuez de bloquer après avoir renvoyé un tir de blaster pour renvoyer d'autres tirs vers vos ennemis. Oh. Changez le type de sabre. Oh lolo. Nouvelle poignée de sabre, mais je l'avais déjà celle-là, si tu me veux. Putain, mais je peux le personnaliser alors là, attends. Je suis à deux doigts de prendre le sabre de couleur orange, hein. Ça va être plus classe. C'est quoi la poignée Magus? Je le préfère. Je préfère comme ça, ouais. Par contre, cette couleur pue la merde. Si je le prends en orange, il faudrait une poignée. Poignée comme ça, du racier, ça fera l'affaire. L'interrupteur. Oh, c'est trop bien! Je vais mettre tout et n'importe quoi, je m'en fous. Non, ça c'est moche. Ah ouais, ça c'est bien ça. Vas-y, on va test. Po. Je crois que je vais le garder en orange finalement. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Eh, mais j'ai bien fait de venir sur Datomir, moi. Tiens, salut l'ami. On n'a pas compris ce qui se passait, mais la personne est morte. Voilà. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Hop, tu fais quoi, toi? T'es pas morte? J'ai l'impression que je suis plus puissant avec le double sabre. Et il y a quoi ici? Mais le pire, c'est que ça s'obtient comme ça, quoi. Genre sur un établi. T'as le double sabre. C'est même pas une sorcière qui te l'a donné. Quelque chose a attiré quelqu'un ici. L'énergie venant des ruines. Est-ce que ça m'a débloqué de nouvelles compétences? Je pense, non? Aucune. D'accord. On me boycotte. Ah si, là-haut. En retardant son attaque après un coup de sabre laser à double lame, Cal peut effectuer une série d'attaques dévastatrices. Fais voir. Combien ça coûte? 1. Eh bah vas-y. Bim. Oh, géant vert. On va se reposer, tiens, on va reprendre les ennemis. Qui sont juste en face. On va tester ça. Attends, je m'entraîne. Ta. Salut les gars. Ah, ça par contre tu peux pas ça. Ta. Eh oh.
pas trop mal. Attends, je le... Et il m'énerve en haut, là. C'est à cause d'eux que j'arrive pas à placer mes trucs. J'arrive. En 1 contre 1, fais voir. Oh, c'est de la triche, ça. Voilà. Le seul moyen d'esquiver, c'est de les ralentir. Au moment où il a tiré, par contre. Bon, c'était pas fameux, hein. On va apprendre à le maîtriser. Oh, du coup. Là, j'ai pas été par contre. Oh, oh, c'est qui lui? Une âme errante. Apparemment, tu as croisé la sœur de la nuit, mais. Contrairement aux autres, tu es vivant. Oh, un sabre laser. Non, 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 le cache pas. Voilà qui explique que tu es survécu. Qui êtes-vous? Tu ne. Oh, non, non, t'as rien à craindre. Je ne suis qu'un voyageur. J'étudie la nature de culture antique et de philosophes morts. Vous étudiez les sœurs de la nuit? Oh, j'étudie beaucoup de choses. Mais oui, cette sœur de la nuit, oh... Elle n'était qu'une enfant quand ce monde est entré en guerre. Elle a dû regarder toute sa famille périr. Que savez-vous à propos de ces ruines? Oh, elles sont millénaires. La sœur de la nuit et ses frères guerriers ont été séduits par le pouvoir de ces ruines. Évite les ruines, ou tu connaîtras les mêmes sorts. Non, non, moi ça me dérange pas d'être séduit, hein. Plusieurs entrées, mais pas. De toute façon, je ne peux même pas monter, je crois. Je vais voir. Oh, je peux pas sauter aussi haut. Eh ouais. Bah, ça ouais. Sera plus tard. C'est loin. Bon, bah, je crois avoir tout fait sur cette planète, les gars, pour le moment. Ah, donc j'y reviendrai. Ouais, parce que là, c'est fermé. Ouais, c'est mort, hein. Je vais rentrer. J'en peux plus de cette planète bizarre. Ah, quoique, attends, c'est quoi ici? Ah, hein. Ah, ah. Peut-être que... Dis-moi que c'est la vie. Non? Ouais, c'est bon. Niveau de santé maximal augmenté. Yes! D'une autre planète. L'étranger. Secret découvert. Tiens, t'es de retour, toi. Viens goûter de mon nouveau sabre. Ouais, vas-y, envole-toi. Ah, vous voulez pas vous taper entre vous, là? Allez-y, je vous laisse. Vas-y, petite araignée, fume-le. Voilà. T'es mal, lui enlève quand même de la vie. Garde. Vas-y, attaque araignée là. Bon voilà. Vous êtes vraiment pas doué, hein. Vous me faites de la peine. Ah, okay. Pas mal, pas mal le bug, hein. Le mec flotte, hein. C'est bon, couché. Bah, je l'ai bien maîtrisé, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai bien géré là. Bon, allez, on se casse. On va au vaisseau, mais du coup, c'est par là-bas.
Eh bien, ce fut un plaisir, hein, cette planète d'Atomir. On n'a pas fait grand-chose, mais on a récupéré un très très beau cadeau. Eh oh. Content de te revoir sain et sauf. J'ai bien failli ne pas m'en sortir. J'espère qu'on t'a pas suivi jusqu'ici, petit gars. T'inquiète pas. J'espère aussi. Mais on y reviendra. Bon, eh bien les amis, on va s'arrêter là. Dans le prochain épisode, on ira continuer notre quête principale qui se trouve sur la planète. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la planète des Wookiees, hein, Kashyyyk. Voilà, vous me corrigerez. Et voilà, j'ai hâte de voir ce qui va en être. Voilà, n'oubliez pas les petits pouces bleus. Portez-vous bien. Tchuss.